Yo les gens, qu'est-ce que tal, comment est-ce comment allez-vous, ça va? Alors ça c'est une vidéo en fait que j'ai décidé de faire pour attendre à Captain America, Captain America, you don't English speaker or you don't teacher of English. O de español, por ejemplo, ¿no? Y tú no haces la diferencia. And you don't have the understand the difference. The difference with the British words, British expressions, British sentences, phrases. In American, North American English. So, you have a very bad opinion. You take a bad decision to critique me. Porque no es una crítica constructiva. No es una crítica constructiva. C'est pas une critique constructive. Tu peux pas commencer à donner ton avis, non, sur quelque chose que tu maîtrises pas. Tu vois, t'es pas prof de langue, non. You haven't studied teaching of languages. You don't speak very well English. Oh, I don't know, but maîtriser une langue, ça ne veut pas dire savoir l'enseigner. Il y a des études, il y a des cours, des formations. Tu peux pas commencer à dire ouais, ils t'ont découvert machin. Mais shut the fuck up, man. Shut the fuck up. Ok. Donc tu vois ce que tu m'as dit là, ça m'a vachement offensé. J'ai failli te foutre un strike, mon gars. Donc là, je t'ai demandé de récapacitar. Porque no estás, digamos, en el lugar para opinar. O darme una crítica constructiva, une critique constructive. Sobre los idiomas. Yo sí puedo pasar de un nivel al otro, pero cualquier persona que maneja tres idiomas, n'importe quelle personne qui maîtrise trois langues, ben, quand elle passe d'une langue à l'autre, avec la fatigue, elle peut se tromper, c'est normal. Mais voilà, dire oh, ils t'ont découvert, shut the fuck up, man. Ferme ta gueule, mon gars. Ok? T'as pas la sagesse. Ok? No eres un sabio en ese tema. Donc, voilà, c'est ce que je voulais régler avec le Captain America. Voilà. Qui doit être très certainement Cédric Borcard derrière plusieurs comptes. Hein, Cédric? Hein, c'est quoi que t'auras les couilles d'être. Non? De dire qui t'es et puis d'assumer. Parce que là, pour le moment, t'as pas les couilles, mon gars. T'es là en mode vas-y. Je lance mes critiques comme ça, ferme ta gueule. Ok? Tu maîtrises pas? Il y a ta musique. Ton Michael Jackson. Ah, sérieux quoi. Vous voyez les différences qu'entre le français continental européen? Déjà, il y a beaucoup de différences entre les français qu'on a en Europe et les français qu'il y a en Afrique. Entre les français d'Afrique et d'Europe, il y a des grandes différences. Alors imagine-toi avec le Québécois. Et ouais, l'anglais américain, le North American English, c'est pas du tout comme le British. Tu vois, le British, tu peux le comparer avec le français continental européen ou avec l'espagnol d'Espagne, le portugais du Portugal. Donc c'est normal. Voilà. Enfin, moi, j'ai enseigné majoritairement online ces dernières années, donc j'ai plus que ce livre pour donner des cours présentiels. Et ouais,
Donc voilà, je suis avec les moyens du bord. J'ai pas les moyens d'imprimer un livre en PDF, tu vois, d'américain, donc voilà quoi. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Elle vient de passer un type avec sa, comment ça s'appelle, sa visière sur la gueule, à part un Covid. On a l'impression que c'est une musulmane avec sa burqa. Ah, ça c'est un autre thème, hein. Les gens qui tombent dans la religion de croire que les vaccins ça les sauve alors qu'ils sont majoritairement en train de se contaminer encore plus. Ça c'est, je dirais, du domaine de Didier Raoult ou de Karl Popper. Voilà, quoi, ça, je ne vais pas entrer en matière pour le moment avec ça. Bon, allez, moi je vous laisse. Peace.